Et bonsoir! Comment ça va? Eh, vous savez quoi? J'ai encore fait une connerie. J'ai supprimé ma bande-annonce. La bande-annonce temporaire! Je m'en suis rendu compte juste avant le live. Mais c'est pas grave, de toute façon, je suis en train de penser à en refaire une propre et je sais à peu près quoi mettre maintenant. C'est bon. Mais c'est pas grave, hein. Pour une bande-annonce de 10 secondes, en vrai, je peux la remettre, hein, en attendant. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Du coup, comment ça va, Marlène? Et comment ça va, Léo? Qui était avec moi sur le Discord il y a très peu de temps. Ça joue en seconde. Du coup, je vous explique un peu ce qui va se passer. On va tester Arietta of Spirit. Alors, c'est un jeu qui me fait un peu penser à un mélange entre Zelda et Pokémon. Vous allez comprendre en voyant. Je vais mettre le trailer juste avant. Et comme ça, vous aurez un peu une idée du jeu. Je suis épuisée, mais ça va. Allez, ce soir, on se détend. Ça va être relax. C'est. Franchement, c'est un. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup pour le resub! Putain, 13 mois déjà, la vache. On n'a même pas fait les 1 an d'anniversaire de la chaîne. Pas bien, hein. Franchement, pas bien. Punaise! 13 mois, la vache. Bref, je le reprends. Du coup, Arietta of Spirit, vous allez voir le trailer. Ça fait vraiment penser à Zelda, mais plus Zelda Link to the Past. Et bah voilà, moi j'aime bien un petit peu cet univers, donc j'avais fait une demande pour obtenir une clé du jeu que j'ai eu. Donc c'est un bêta, en bêta quoi. Donc, bref, c'est pour le jeu complet, je pense. Vu que je peux l'acheter sur Steam, je pense que je l'ai eu. Je dois pas avoir le jeu en entier. Donc on verra combien de temps je vais pouvoir y jouer, si c'est juste 1 heure de jeu et puis basta, ou plus. Et je vous spoil une petite chose, j'ai fait une demande sur un autre jeu. Et après il n'est jamais trop tard, ouais, on fera l'anniversaire de la chaîne, allez. Je sais pas quand du coup, mais on le fera. J'ai fait une demande d'un autre jeu, un jeu d'horreur. Qui s'appelle Insomnis. C'est un jeu d'horreur enquête, grosso modo, qui devrait plaire à Alex, je pense. Et ben je l'ai eu sur PlayStation, donc lundi prochain, on fera ça. Ou ce soir, si ça se finit rapidement pour Arietta. Enfin, voilà. Du coup, je vais vous passer le trailer. Et on se retrouve juste après. Je vais juste switcher et mettre en pause ce son-là. Si c'est trop fort, faites-moi des alertes dans le chat. Que je vous explose pas les oreilles. J'ai pas fait attention au niveau de sonore. Alors, je switch. C'est parti. Et voilà. Bon, j'ai vu que le son était un peu fort, j'ai pas du tout le retour dans le casque. Je voulais baisser un petit peu.
Bah ouais, le jeu il a l'air vraiment cool, c'est pour ça que j'avais fait la demande. Et je me suis dit on va le tester. Et bah on va pas attendre 15 000 ans, on va y aller, on va lancer le jeu. Alors, je vais changer la scène normalement. J'ai failli appuyer sur le bouton de la scène Zelda, mais c'est pas ça. Je l'ai pas supprimé, hein, comme quoi. J'y tiens ce Zelda. Par contre, j'ai perdu mon truc, ça doit être celui-là. Remarque de Fifi, ça te va bien coiffé comme ça. Mais en vrai, je suis souvent coiffée comme ça quand je pars promener Pearl. C'est-à-dire la queue sur le côté, en mode balèque, et un bonnet, en ce moment. Parce que le bonnet, voilà, ça protège. Ou alors la double capuche, parce qu'il y a trop de vent. Il n'y a pas de bonnet. Du coup, en gros, j'ai fait ça à l'arrache. Mais merci! Alors, ça, on coupe. Et on va lancer le jeu. Alors, c'est un jeu qui est compatible manette, apparemment. Je l'ai pas testé en manette. Je l'ai juste lancé pour préparer tout à l'heure. Donc, Arietta. Ah oui, et donc, du coup, si vous voulez avoir le lien directement du jeu, si vous faites point d'exclamation Arietta, vous allez avoir dans le chat le lien qui va apparaître sur Steam. Il était censé apparaître là. Hop, voilà, parfait. Et la manette, tu restes allumée, s'il te plaît. Alors, le son. Logiquement, il n'est pas très fort, parce que je l'avais bien rebaissé. Est-ce que là, ça va au niveau du son pour vous? Double capuche quand le bonnet s'envole. Non, ça va. Est-ce que le son vous va, là? Ou c'est trop fort? Parce que j'ai baissé le retour hein, dans mon casque. Parce que je vois que ça n'a pas l'air d'être hyper fort pour vous. Alors, il y a juste un truc qui va vite m'agacer dans ce jeu. C'est... voilà, je vais déplacer, vous allez entendre un son. J'ai l'impression d'être sur Discord. Il y a quelqu'un qui se connecte. Ça, j'aime pas. Alors, on va commencer une nouvelle partie. On va se mettre en normal. Alors, apparemment, ce jeu se joue en moyenne en 5 heures. On va voir. Je m'excuse d'avance s'il y a des personnes épileptiques qui y arriveront, ou qui verront le replay. Ce jeu est déconseillé aux personnes épileptiques. Il n'y a que moi qui lag. Bah écoute, chez moi, tous les voyants sont au vert. Et j'ai pas fait attention si ça t'est mis à jour le truc. Je vois pas la... Si, ça s'est lancé. C'est encore loin! Nous y sommes presque. Plus qu'une demi-heure. Nous pouvons aller jusqu'à la côte et prendre le bateau directement. Ce n'est pas ta première fois, tu devrais bien le savoir. Ouais. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà un an. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre. Ça va être notre première fois ici sans elle. Je suis sûr que la cabane a besoin de quelques réparations. On ne peut pas laisser la cabane de mamie tomber en ruine. Ok, j'ai baissé la qualité. Oh! Étrange. Je suppose que non. Fais pas la tête, maman! C'est toi qui dis ça? C'est pas toi qui faisais la tête il y a 2 minutes? Je vois pas ce que tu veux dire. Vous croyez que l'eau va être froide? Hier soir, c'était moi. Ouais. Ça tourne. Mais ouais, c'est le retour des voix multiples, attendez. Inoum, on peut pas continuer.
Les voix, elles apparaissent ici. Hein. Je jure que ça ira. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je suis certain que tout sera comme avant. À savoir que toutes les, les évaluations sur Steam sont très très positives hein, de ce jeu. On va vraiment voir ce que ça donne. Mais il est beau, de ce qu'on peut voir dans le trailer. Ah ouais, les commandes, oui. Donc, il est bien jouable manette. Voilà. Et clavier. C'était un long trajet, hein? Ouais, je suis crevée. On a beaucoup de pain sur la planche. C'est dommage, je suis en vacances. Du coup, je ne vais pas pouvoir aider. Très drôle. Ta mère te cherchait. Je crois qu'elle a besoin d'aide avec un truc. Allez dans l'intérieur. Oh. Je vais aller voir de quoi elle a besoin. Moi, je vais commencer à nettoyer un peu dehors. Le jardin ressemble à une jungle. Mamie détesterait le voir dans cet état. C'est très drôle, ça, en même temps, le mec. On dirait bien qu'on ne peut pas aller à la source dans la forêt pour le moment. Il a l'air énervé. Ouais, ça va être un papa énervé. Un arbre est tombé en travers du chemin. Je crois que je vais commencer par libérer le passage. Eh ben, ça va probablement me prendre toute la journée. J'ai envie de lui donner une voix de bûcheron. Ouais, c'est stéréotype. Et alors? Tiens bon, papa. Appuyez ici pour afficher votre prochain objectif dans le menu des objectifs. Allez parler à maman dans la cabane. Ah, B. En rentrant avec B, d'accord. Donc ça, ça fait une roulade. Salut maman! Oh, ma chérie, tu es là! Tu avais besoin de mon aide? Oui! Je viens de commencer à préparer le dîner. Je pensais faire un crumble aux pommes pour le dessert, mais nous n'avons pas amené de pommes. Tu voudrais bien aller en ramasser, s'il te plaît? Les pommiers ne sont pas tout près, mais si tu suis le chemin qui part vers l'ouest... Oui, c'est bon, je sais. J'adore les pommes sauvages du vieux pommier. Excusez-moi, mais j'étais obligée. Oui, ta grand-mère les aimait aussi. C'est bon, je vais aller les chercher tout de suite. C'est Père Castor des fois avec la voix. Ah bah j'exagère, hein. Mais bon. La mère a une voix de gamine. Ouais, j'ai envie de lui faire une voix de gamine. Oh, je découvre une pièce. Ah là là. Pardon. Ah bah ça y est, mamie, ça. Bah mamie, paix à ton âme. Récompense déverrouillée. Ah ! Un souvenir. D'accord, donc on peut fouiller partout. Et je peux fouiller la trappe, là ? Puis le chemin qui part vers l'ouest de la cabane pour trouver les pommiers. Non mais je peux pas te piquer à boire, à manger, tout ça, non ? Non, d'accord, je suis pas loin. Il part vers l'ouest. Allez, les pommiers. Oh, un bûcheron. C'est papa? Ah, c'est papa. Harry, tu devrais reculer un peu. Arietta, attends. Tu m'as dit de reculer, moi je me casse. Hein. Où vas-tu? Maman m'a demandé d'aller nous ramasser des pommes. Elle va faire un crumble pour le dessert. Super, j'adore les crumbles. Ah,
Si tu vas par là-bas, tu devrais faire attention aux guêpes. Elles sont particulièrement agressives à cette époque et l'île en est pleine. Tu devrais emmener ça. Putain, il me donne une épée pour taper des guêpes. Eh. Vous avez ramassé une épée de bois. Appuyez sur X. Ok. Pour effectuer une attaque. Papa, c'est bon, je vais bientôt avoir 13 ans. Tu crois pas que je suis un peu grande pour jouer avec ça? Peut-être, mais je ne veux pas que tu te fasses piquer. Donc si une de ces sales bestioles s'approche de toi, mets-lui donc un bon coup d'épée. Elle n'est peut-être pas affûtée, mais c'est du bois bien solide. Elle devrait leur faire mal. D'accord. Merci, papa. Quand tu étais petite, tu passais tes journées à courir dans tous les sens en brandissant cette épée. Ça rendait toujours ta mère folle. Ah, le bon vieux temps. Ouais. Je reviens vite avec les pommes, hein. Même à 28 ans, je joue avec ça. Ok. Alors, ils sont où les pommes? Père Castor, raconte-moi une histoire. Il y a un écureuil. Non. J'entraîne. Et hop. Yep. Dégage. Dégage. Après les gars. Non mais. Ah si, je peux taper dans les arbres. Mais on est dans Zelda là. Vous avez vu, hein? Moi, je vous ai dit que ça me faisait penser quand même. Aïe! Dégage! Vous avez dit que ça me faisait penser à Zelda quand même. Un mélange de Zelda et Pokémon. Ah. Voilà, j'ai retrouvé mes cœurs. En vrai, potentiellement, ça pourrait plaire à Zarok et Mr. Pitou, hein? Vu qu'ils avaient défoncé Zelda. Après, ça va, hein, c'est pas hyper complexe comme jeu, hein, pour l'instant. Bon, les pommiers, là. Putain, hop. Non, mais... Deux coups d'épée, et ça suffit. Mais il me manque un cœur là. Elle m'a touchée. Non mais. Et sinon les pommiers c'est par où? Parce que vers l'ouest, à part là-bas, ça va. Il n'y a pas 36 000 chemins en fait. Tu cherches des guêpes, tu vas dessus. Bon, je me fais piquer, ça va, elle est pas allergique. T'as dit que tu savais où c'était? Ouais, ouais. Voilà. Je fouille. Tu vois, c'est des ronds. Non, en vrai, il est beau le jeu quand même. Les pommiers. Par ici, les pommiers. C'est énorme. Ah, c'est pas énorme, mais... C'est drôle, en fait. Bon, après, je suis en mode normal aussi. Hein. Je suis pas en mode... difficile. Peut-être pour ça que les guêpes, elles sont quand même relativement simples pour l'instant. J'ai envie de fouiller partout, hein. Désolée.
Mais sinon, les pommes. Oula. Ah oui, d'accord. Je suis pour fouiller partout dans les jeux. Mais c'est la base! Je sais pas si tu sais nager dans le doute. Ah, ça a sauvegardé en bas. La musique, elle est sympa. Oh, les pommiers! Ils sont fat, leurs pommiers? Le grand arbre du milieu a toujours donné les meilleures pommes. Mais comment vais-je faire pour les atteindre? Elles se trouvent si haut. T'avais un pote écureuil tout à l'heure. Bah, tu grimpes dans l'arbre. Bonne douche! Si j'avais assez de force, je pourrais essayer d'en faire tomber quelques-unes. Ben. Voilà. Super! Ça a marché! Cool! Il en faut combien? D'accord, c'est tout. Très bien. Bon, ben, on amène les pommes. Hein. Oh là, il y a une ruche! Oh zut! Maman, c'est quoi cette guêpe là? Je suis désolée, je ne savais pas que vous aviez fait votre chronique là-dedans. Appuie sur A pour effectuer une roulade. Les roulades sont utiles pour esquiver les attaques des ennemis. Aïe. Ah, puis en plus, les petits. Elle est où elle? Elle est en mode invincible. De l'un coup. Hé hey. On y croit. Viens là. Elle est morte. Je kiffe la musique, franchement. Ouf, c'était moins une. Je devrais retourner à la cabane. Il me faut pas grand chose, mais j'aime bien ce jeu. Déjà. Par contre, il me faut... C'est bien, je suis déjà... Ok, d'accord, très bien. Il me faut des petits cœurs. Aïe. T'as pas de petits cœurs? Non. T'as pas de cœur en fait. Ouais. C'est bon, j'ai tous mes cœurs. Qu'est-ce que vous dites que ça? Le vieux parapluie de mamie. Oh. Tiens, tes pommes. On fait une tarte? Ah non, c'est un crumble, pardon. Voilà, j'ai les pommes. Merci, ma chérie. Ah oui, tu en as ramassé beaucoup. Il n'y en a pas pour longtemps. Va dire à ton père que le dîner est prêt. Oui, maman. Hé, hey, papa, t'es où? C'est là. Et c'est par où, ça? C'est des sources? Chemin de randonnée de la source dans la forêt. Ils se sont pas fait chier pour le nom, par contre. Hein. Laisse-moi une minute. Mais on mange, en fait. Ah ah.
Ouf, ça m'a pris des heures. Alors, tu es de retour? Les gars t'ont donné du fil à retordre? Rien d'insurmontable. Le dîner est presque prêt. Ah oui? Allons mettre la table. Tout va bien, ma chérie? Oui, c'est juste que... J'ai passé chacun de mes étés sur cette île depuis que je suis toute petite. Et c'est la première fois qu'elle n'est pas là aussi. Cette chaise vide me brise le cœur. Si tu veux, je te mets un pot de fleurs, ça sera plus vite. Hein. Tout me rappelle tellement de souvenirs. C'est horrible, je suis désolée. J'ai l'impression de sentir encore sa présence. Et pourtant, quand je me retourne, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. Maman. Elle me manque tellement. Elle nous manque tous. Il est normal que ce séjour fasse remonter toutes ces émotions. Mais je suis certain que ta mère nous sourit de là-haut et qu'elle est heureuse que nous respections cette tradition. Peut-être. Merci. Ça va aller. La journée a été longue après notre long trajet. Nous devrions aller dormir. Demain est un autre jour. Arietta! J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Arietta! Mais... Si je vais vers vous... Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez les petits esprits là! Ouais non d'accord, donc j'ai bien fait de... Ah, je peux les toucher! Très bien. Je peux les blesser aussi. Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais... Oula. Légèrement bloqué, là. Enfoiré. Ah, ah, ah. Mais je vais me perdre. Pitié.
pire, t'as dit dégage ta fantôme. T'es pas chez toi, t'es mort. Ils ont entendu, ils ont peur de toi. Ouais, enfin, ils veulent me tuer quand même. Arietta. Réveille-toi. Et d'ailleurs, en parlant de ce que j'ai dit hier, j'ai regardé un peu le replay. Là où j'ai eu le pic à 103 BPM, c'était très drôle. Mais vous avez dû rigoler en regardant ça. Parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas vu avoir peur dans un jeu. Enfin. Qui est là? Ici. Hein? Un fantôme! Chut! Pas si fort! Il ne faut pas réveiller tes parents. Je t'assure que je ne suis pas un fantôme. Mais je comprends la méprise. Je dois être en train de rêver. Non? Tu as l'air bien réveillé. Malheureusement, la situation m'a obligée à me montrer à toi plus tôt que je ne le souhaitais. Hein? Que voulez-vous dire? Arietta, je te connais depuis très très longtemps. Tu ne m'as jamais vue auparavant, car je suis restée dans l'ombre pendant toute ta vie. J'attends ce moment depuis des années. Écoute bien, j'ai quelque chose d'important à te dire. Mon nom est Arco. Je viens d'une dimension qui existe en parallèle de ton monde. Elle porte le nom de Royaume des Esprits. Jusqu'à maintenant, cette dimension était complètement invisible pour toi comme pour tous les autres. Mon peuple sert de guide aux humains depuis bien longtemps. Nous travaillons ensemble pour aider ceux qui sont décédés et qui se sont perdus à devenir des esprits. On dirait une licorne. J'aime pas les licornes, mais elle est bleue, donc ça rattrape. Ouais, moi je voyais plutôt une sorte de furet avec genre un diamant sur la tronche. Je voyais pas trop ça comme une corne. Ils sont comme des rémanescences d'existence incapables de poursuivre leur route. Je t'ai accordé la capacité de percevoir le royaume des esprits qui t'entoure en liant mon énergie à la tienne. Cela fait de toi qu'on appelle une liaison. Un être humain lié à son guide spirituel, c'est-à-dire moi. J'ai l'impression d'être en train de rêver des royaumes et des esprits. Comme des fantômes alors? Si tu préfères les appeler ainsi. Le royaume des esprits est une sorte de voile recouvrant le monde des humains. J'ai mon casque qui me fait super mal aux oreilles, je suis désolée. Oh, il a dit que t'es... un tiré, t'es une liaison. Chaque fois qu'un être humain meurt et ne parvient pas à passer dans l'au-delà, son énergie reste emprisonnée dans ce voile et devient un esprit. Il y a toujours une raison spécifique à cela. C'est souvent une affaire non résolue de leur vivant, ou bien même l'incapacité à accepter ce qui leur est arrivé. Quoi qu'il en soit, notre tâche est d'aider ces esprits à passer dans l'au-delà. Et merci pour le follow, good girl! Bon, disons que je vous crois. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Pourquoi ne pas aider ces esprits vous-même?
Nous ne sommes que des êtres éthérés, faits d'énergie pure. Nous ne possédons pas d'enveloppe physique, pas même dans le royaume des esprits. Il nous est donc impossible d'agir de quelque manière que ce soit sur le monde qui nous entoure. Mais toi, en tant que liaison, tu peux interagir avec les deux dimensions. Ah ! Bonsoir la voisine de Marlène, enfin l'ancienne voisine de Marlène. Comment vas-tu ? Le monde des humains est le royaume des esprits. Notre rôle est de trouver et de guider les humains comme toi qui nous semblent capables d'accomplir cette mission. Tu as déjà fait preuve de courage et de vertu, des qualités auxquelles nous attachons beaucoup d'importance. D'autant plus chez une personne aussi jeune. C'est vrai, elle a 13 ans. Ah, la musique, elle est super cool. Hein. C'est une bonne découverte, ce jeu, pour l'instant. Et pourtant, il est très rare que nous accordions cette capacité à quelqu'un d'aussi jeune. Mais il s'est passé quelque chose. Oh. Arietta, quelqu'un a grandement besoin de ton aide. Ouais, bon, presque. C'est bientôt son anniversaire, on va dire. Elle t'attend sur l'appontement. Est-ce que c'est mamie ? C'est mamie ! Mamie ! Arietta, ma chérie ! Mamie ! Comment est-ce possible ? Tu es... Il y a eu un... Tu es... Morte ? Je suis au courant, ma chérie. Ne sois pas si triste pour moi. C'était simplement mon heure. La mort est une part inévitable de... C'est chaud à faire la voix de vieille, hein. Je suis désolée, hein. D'avoir une voix comme ça. La mort est une part inévitable de la vie. Et je l'avais déjà accepté depuis bien longtemps. Quand on atteint un certain âge, on commence à réfléchir à la vie. En plus, elle y met vraiment les intonations, elle nous fait les voix, j'adore. Mais oui, dès qu'il y a des personnages, il faut, c'est plus marrant. Mamie. C'est grâce à ton nouvel ami que nous pouvons nous revoir maintenant. Cette chose a l'air si étrange. C'est Arco. A-R-C-O. Et vous traitez qui de chose a l'air étrange, hein? Mais mamie, que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas... Je n'ai pas encore réussi à partir. J'espère aussi. J'ai une promesse à tenir, voiture. Voiture. Je vais peut-être aller chercher une bouteille d'eau en vrai. Une promesse est faite à ta mère. Il y a plus de 10 ans, j'ai promis de lui laisser une bague qui est dans la famille depuis très longtemps. Tout comme ma mère me l'avait donnée un jour. Ta bague en argent ? Oui, c'est ça. L'argent a été extrait de la mine d'argent qui se trouve sur cette île. Elle est dans notre famille depuis des générations. Je l'ai perdue lors de mes derniers jours dans ce monde et je n'ai pas eu l'occasion de retourner la chercher. Jusqu'à maintenant, j'ai fouillé partout et je l'ai enfin retrouvée.
Elle était par terre à proximité de la source dans la forêt. Je ne sais pas comment elle a pu se retrouver là-bas. Mais quand j'ai essayé de la ramasser, des créatures horribles ont surgi de nulle part et m'ont encerclée. J'ai eu si peur que je suis revenue ici à toute vitesse en laissant la bague où elle était. C'est alors que j'ai fait la connaissance d'Arcon. Ces monstres horribles devaient aussi vouloir la bague. Je pense savoir ce qu'étaient ces monstres, comme vous les appelez. Mais il est étrange qu'ils réagissent ainsi à une bague, ou à n'importe quel objet d'ailleurs. Je vous assure, ils se sont rués droit dessus. Heureusement d'ailleurs, car cela m'a permis de m'échapper pendant qu'ils étaient distraits. Nous devrions aller voir si elle est toujours là. Si ce que vous dites est vrai, je suis curieux de voir cette bague aussi. Et donc, tu es resté ici pendant toute une année ? Une année ? Mais non ! Cela ne fait pas longtemps. Enfin, je crois. Ne t'en fais pas, mamie. Nous allons récupérer la bague. Je ne veux pas te causer le moindre problème. Ne t'inquiète pas. Arco est là pour me protéger. Nous serons de retour très vite. Ou pas. Arco, allons-y. D'accord. Je t'en supplie. Sois prudente. Ouais, je vais donner des coups d'épée comme ça, je vais faire des roulades. Puis voilà. La source près du chemin, c'est ça, près de la fontaine. Il est où le panneau? Hé, reviens. Chemin de randonnée de la source dans la forêt. Voilà. Mais ouais, c'est bien connu, les vieilles dames adorent parler. Hein. Sauf ta super voisine d'en face. Pourquoi? T'aimes pas parler du coup? J'ai une promesse à tenir, Twingo. Oula, ça sent la private joke. J'ai pas la ref. Comme dirait Néogène, buvez de l'eau. Ouais, je pense... À mon avis... Ouah. Prochain dialogue, au pire. On va explorer un peu. Faire une pause après, si vraiment j'ai besoin et que je galère à parler. Quoi? Charge, souris! Dégage! Encore un coup! Viens là! Oh punaise, des guêpes! Des charges-souris! Même plus des chauves-souris, c'est des charges-souris! Non, c'est toi, Jexif, qui a dit j'ai une promesse à tenir en voiture. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai promis à ma voiture que j'allais la nettoyer. Mais il fait si froid dehors. Vous voyez? Alors elle attend un peu qu'il se réchauffe parce que fait froid dehors. Ça craille. C'est quoi mon objectif déjà? Suivez le sentier à l'est de la cabane pour trouver la bague de mamie. Dégage. Aïe. Nul hein, en combat. Oh, incroyable. Mais il y avait un petit cœur. Oui. J'espère que je vais pouvoir Aïe! Changer mon épée là, de bois contre une vraie. Mais.
Adieu. Non mais... Je me concentre. Gage. Voilà. Hop. Ah oui, c'est un jeu qui est jouable du coup manette, mais il est aussi jouable clavier. Aïe, mais pas taper, sauf moi. Moi j'ai le droit, mais pas vous. Hop là. Ouais, je m'accorde des privilèges. Bah, elle est où sa bague? J'ai pas un peu fait tout le tour là? Je suis pas un peu en train de revenir sur mes pas là? Oui, hein, je crois. Je sais plus, je l'ai perdu! Oh! Il me faut une carte avec marqué vous devez aller ici. Je voulais rester appuyé, voir si comme dans Zelda, ça faisait un chargement et puis schlac, un petit 360, mais pas du tout. Attends. Avant de pénétrer plus profondément dans la forêt, il faut que tu saches quelque chose. Quoi donc ? Les rémanences d'êtres qui ont vécu ne sont pas les seuls habitants du royaume des esprits. Et je ne parle pas de mon peuple. En fait... Pardon. En fait, il existe tout un tas d'êtres éthérés. Certains sont pacifiques, même parfois amicaux, bien que ce soit plutôt rare. Mais d'autres sont malfaisants. On les appelle des errants. C'est une race abjecte qui se déplace constamment d'un lieu à un autre. T'as la voix qui grisille. Va boire de l'eau. Ah ! Bon, je vais boire de l'eau. Je reviens. Je vous laisse avec le super décor. Et coucou Zarok! Ça raconte des petites histoires pour s'endormir? Non, mais c'est un jeu qui pourrait te plaire, c'est un peu dans l'esprit Zelda. A Link to the Past, j'ai l'impression, ça me fait beaucoup penser à ça. Allez, c'est reparti! C'est une race abjecte qui se déplace constamment d'un lieu à un autre. Ils cherchent à absorber l'énergie de tous ceux qui croisent leur chemin afin de devenir plus puissants.
Et en tant que liaison, tu vas maintenant être leur cible aussi, malheureusement. Les errants utilisent l'énergie qu'ils absorbent pour se multiplier. C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont comme une maladie se propageant dans le royaume des esprits et contaminant tout et tout le monde. L'une de nos missions les plus importantes a toujours été de les garder à distance. Je n'aurais jamais pu imaginer. Et donc ces errants sont les monstres dont Mamie parlait ? Et ils sont maintenant dans la forêt ? Y a-t-il un moyen de se défendre contre eux ? Tends ton épée de bois. Dans sa forme actuelle, elle est absolument inoffensive pour eux. Mais je peux réveiller son potentiel à l'aide de mon énergie. Oh oh ! Oh, ça vibre. Oh, j'ai une épée bleue, hein. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ton épée de bois n'est pas juste un jouet en bois. Elle est en fait très spéciale. Ce que nous appelons un intermédiaire. Les intermédiaires sont des objets spéciaux qui connectent entre elles les différentes dimensions. Et même les différents niveaux d'existence, qu'ils soient humains ou spirituels. Le lien qui vous unit tous les deux pourra nous servir. Même si, pour être honnête, ce n'est pas la plus puissante des intermédiaires. Il est quand même assez puissant pour que je puisse le traverser de mon énergie. Et ainsi rendre chacun de tes coups plus puissant. Tout errant qui aura la malchance de se trouver sur le passage de la lame le regrettera. Les intermédiaires sont difficiles à trouver, alors prends-en le plus grand soin. Surtout que les errants cherchent toujours à se les approprier. Je t'ai vu manier l'épée plus d'une fois dans le passé. Qu'elle soit en bois ou pas, tu es tout à fait capable de te débrouiller avec cette épée. Oui, peut-être. Mais chasser quelques guêpes énervées, c'est pas vraiment un exploit. Tu devrais avoir plus confiance en toi. Essaye-la donc. Ok. Et voilà. Votre épée de bois a été transformée en esprit spirituel! Vous avez maintenant les moyens de vous défendre contre les errants. Moi, j'ai envie de faire la voix narrative comme ça. Super! Je sais que tu veux aider ta grand-mère à tout prix. Marietta, n'oublie pas que je suis là pour t'aider. Le seul moyen pour nous de les vaincre est de combiner nos forces. Alors, brandis-moi cette épée, jeune fille. Et je ferai en sorte que chaque coup qu'elle porte compte. D'accord. Oh, et appelle-moi Harry. Excusez-moi, je vais faire la voix de l'autre. Yep. Bref, c'est pas ton ukulélé, quoi. Et alors ? Wow, wow, wow. Oui, donc ça c'est bon. C'est bon. J'ai eu deux fois le mail de confirmation comme quoi j'avais accès à un jeu. Donc oui, j'ai compris. Merci. Harry Potter. Non, pom 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 pom. Non, non, c'est Arietta. Voilà. Il y a un corbeau. C'est quoi déjà la mission? Bon, on va par là. Errant de sentier. Donc ouais, ça fait un peu penser. Faut le chanter, j'exécute. Po 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 po.
Le générique d'Harry Potter? T'as pas reconnu les pom-poms? Attends, j'ai pas Harry Potter là en tête. J'ai clairement pas Harry Potter en tête, je suis désolée. Aïe! Saloperie! Rends-moi un cœur. Aïe! Pom 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 pom. C'est trop égoutte pour moi. Tu m'as tué avec Seven Nation Army. Mais quoi? C'est le seul truc qui passe par la tête quand je vois pom pom. Après avoir ramassé des pommes, vous savez. Non mais ils se prennent pour qui les deux là? Non mais... Chaud. Aïe. Dégage. Et ça rock, tu sais quoi? J'ai encore fait une connerie en début de live. Oui. Et bah j'ai supprimé ma bande annonce. Voilà. Aïe. Bah non, je vais me faire buter là. Je suis morte. Salut Yolachu! Comment ça va? Chargé à partir du dernier point de sauvegarde. Ah, d'accord, donc quand on meurt, c'est comme ça. Voilà, très bien. Hello there. Mais en vrai, ça ressemble même plus à Minish Cap qui était sorti sur Game Boy Advance. C'est quoi? Je connais pas. Je connais pas du tout. C'est un Zelda? Bon bah ça reste dans l'esprit. Du coup. Hi. Mais ouais non, mais en voyant des... Oh, putain. En voyant des screens... Aïe, mais pourquoi je vais taper un rocher aussi, moi? Je suis débile. Des screens du jeu, ça me fait vraiment penser entre Zelda et Pokémon. Pokémon, c'est via les bestioles. Mais... C'est Just là. Oh. Des cœurs. Youhou. Vous cachez où? Ça devient chaud. Il y a un timing. En fait, je peux pas utiliser... plusieurs fois, comme dans Zelda, de spammer l'épée. Alors... Laisse-moi deviner, il ressemblait à ça. Le seul Zelda original qui est sorti sur Game Boy Advance me rappelle y jouer comme un ouf dans mon lit le matin de Noël. Oh oh! Eh bien oui, bravo. Continue comme ça. Dans les types du jeu Zelda, il y a aussi Blossom Tales que j'ai trouvé fort sympathique. C'est un Zelda ou c'est pas un Zelda du coup? Je les connais pas tous. Hein.
Tout dépend si on aime ou pas les patates. Voilà. C'est pas un Zelda. Bah en vrai, les musiques là, elles sont plutôt cool. C'est plutôt relaxant. C'est un jeu à faire tranquille. Et puis niveau qualité, là vous le voyez en plein écran et c'est vraiment ce qu'il en est quoi. Il y a certains jeux comme bah, par exemple avec Cathy Rain, qui est un petit jeu rétro pour le coup. Et ben il se joue sur une toute petite fenêtre. Vous pouvez pas le mettre en plein écran. C'était beaucoup plus agréable à regarder en stream. Franchement. Là c'est quand même cool quoi. Le jeu il est beau. Vous avez une superbe streameuse qui vous fait des voix de ouf. Ou pas. Jetez-lui des cailloux. Salut. Il y a des tas d'errants dans le coin ce soir. Vous ne trouvez pas? T'es un gentil ou un méchant toi? Ce n'est pas sûr. Pas sûr du tout. Vous devriez rentrer tant que vous le pouvez. Quelque chose se prépare. Attendez. Vous êtes une liaison, non? Oui, je crois. Excellent! Vous savez quoi? Venez me trouver demain et nous pourrons faire affaire tous les deux. Mon nom est Midri, au fait. Oh, je dois filer. Midri, moi j'ai pas très 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 confiance en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est vraiment pas sûr ici ce soir. Oui, je viens de voir. Effectivement, ça ressemble. Caillou. Je tiens à dire que je ne le souhaite pas. C'est pour voir si ça marche encore. Bah oui, ça marche. Par contre, je crois que la petite animation, elle s'est pas faite. Ou alors, j'ai pas vu. Non, mais par contre, point d'exclamation Arietta, ça marche. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'était un Mididarien. L'une des races... Ah ok. C'était un Mididarien, l'une des races éthérées qui peuplent le royaume des esprits. Ce sont des êtres amicaux qui travaillent surtout comme marchands dans le royaume. Ils se servent souvent des liaisons pour récupérer les objets dont ils ont envie. Cela en vaut généralement le coup. Nous devrions aller le voir quand nous pourrons. Et dire que je croyais que rien de plus bizarre ne pourrait plus se produire cette nuit. Mais bah c'est trop fini. Là, c'est fait. Voilà, il y en a masse qui arrive. Ah non, pas la charge souris là. Non mais oh. Voilà. Cool, je suis à fond. Je vais les reprendre dans pas longtemps. Attends un instant. Regarde. Tu vois là-bas? Il y a quelque chose de brillant par terre. C'est la bague de mamie. Tout comme elle l'avait dit. Et il n'y a pas un seul errant en vue. Ramassons-la tant qu'on le peut. C'est bizarre quand même.
Pourquoi l'aurait-il laissé? Mamie s'est peut-être trompée, il n'en avait pas après la bague. Hein? Et je suis désolée, mais il me fait penser à Gros Tas de Morvin. Et puis le sorcier maléfique dans Link to the Past. Un petit mélange des deux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un errant gigantesque. Ils se sont pas fait chier pour les noms, hein. Vraiment. Hein. Oh non. Il absorbe l'énergie à travers la bague. Ce n'est pas bon du tout. Il peut faire ça? Pas le temps de t'expliquer. Harry, c'est à toi de décider. Si nous partons maintenant, il va devenir plus puissant et se multiplier. Mais je crains qu'il ne soit déjà bien trop fort pour nous. Ce n'est vraiment pas comme ça que j'avais prévu que cette nuit allait se dérouler. À toi de décider. Étant donné les circonstances, la retraite est un plan tout à fait raisonnable. Boutot cru quoi, non? Mais moi je vais te taper! Oui, mais on risquerait de perdre la bague. Pas question! Avoir plus confiance en moi, c'est bien ça, non? D'accord. On va l'éliminer. Fight! Hey, il est où mon arc et mes flèches là? Hey, mais il est intouchable là ou quoi? Oh mais non, mais déjà un, c'est déjà compliqué. Aïe. Il me reste plus qu'un cœur. Ça a pu les gars, ça a pu. Tu es morte. Oh c'est bien ça par contre. Aïe! Oh, je me casse. Voilà. La différence entre le premier et le second essai, Jess monte d'un niveau. Bah ouais. Vous avez trouvé quelque chose. Aucune idée de ce que c'est, mais vous devriez quand même l'emporter. J'ai la bague!
Beau travail! Tu as été fantastique. Je savais que tu en étais capable. Ces errants ont probablement été attirés ici à cause de ta grand-mère. Elle a couru un danger inimaginable en venant ici toute seule. Mais en fin de compte, on dirait qu'ils étaient plus intéressés par la bague que par elle. En tout cas, il est étrange qu'il y ait eu autant d'errants dans la forêt. Je me demande bien d'où ils venaient. Bref, on en parlera plus tard. Pour l'instant, rentrons. Je suis sûre que mamie nous attend avec impatience. Oui, allons-y. Nous l'avons retrouvé! C'est vrai? Merci infiniment. Maintenant, quand le jour se lèvera, donne-la à ta mère. Et ne lui parle pas de tout ça. Elle s'inquiète déjà beaucoup trop. Que vais-je lui dire? Tu es une jeune fille intelligente. Tu trouveras bien quelque chose. Et maintenant, il est temps pour moi de partir. Ouais, c'est une mamie brebis. Non, mamie! Harry, tu sais que je dois y aller. Elle est déjà morte, mamie, en fait. Mamie! Cet endroit va me manquer. Tout comme vous tous. Cette brise fraîche sur ma joue. Ah, et en ce qui se concerne tes nouveaux talents, Arco m'en a déjà parlé auparavant. Fais ce que tu penses être le mieux. Écoute ton cœur. Je t'aime tellement fort. Je garderai un œil sur toi. S'il te plaît. Je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée que tu te sois retrouvée mêlée à tout ça. C'est ma faute. Si cela peut te rassurer, je suis sûre que tout arrive pour une bonne raison. Mamie! Au revoir, Arietta. Au revoir, mamie. Oh, c'est triste. Elle est partie. Suis-je en train de rêver? Je voudrais me réveiller. Je suis vraiment désolée. Cela doit vraiment être très dur pour toi. Après être entrée en contact avec ta grand-mère, j'ai choisi de t'amener à elle. Elle était contre cette idée, car elle savait que ça voudrait dire ce que ça voudrait dire pour toi. Mais grâce à toi, elle a pu partir. Non, c'est... Ça va aller. Namami est un Jedi avec le fantôme hologramme. Non, mais elle était déjà partie. Tu l'as juste aidée. Ouais. C'est vrai. Je suis vraiment contente d'avoir pu la voir une dernière fois.
Merci. Sans toi, je n'aurais jamais pu l'aider. Et maintenant? Tu devrais retourner dormir. Il va te falloir du temps pour digérer tout ça. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir. Comme je te l'avais dit, nous ne partageons nos pouvoirs qu'avec les humains qui s'en montrent dignes. Mais tu as aussi le choix. Tu peux refuser la capacité que je t'ai accordée si tu le souhaites. Après tout, c'est une lourde responsabilité à porter. La connexion entre une liaison et son guide spirituel est à double sens. Ta nouvelle capacité n'est activée que lorsque nous sommes ensemble. Si tu me le demandais, je pourrais te libérer de cette connexion et tout redeviendrait comme avant. Oh bah oui, et si, allez, on arrêtait. Comme ça, fin du jeu. Non mais... Et en vérité, nous avons besoin de toute l'aide que nous pourrons avoir. Le nombre d'errants croît chaque jour de plus en plus rapidement. Tout le monde est en danger. Et la manière dont tu as géré la situation cette nuit est tout simplement incroyable. Prends ton temps pour y réfléchir. Je vais aller dormir. Je sais que tu ne le ressens pas, mais il fait très froid ici. Rentrons. Oh, les yeux. Hein? Tout cela n'était qu'un rêve? La bague! Elle est toujours dans ta poche. À chaque fois. Tout est vrai. La bague, je dois la donner à maman. Tu sais, tu pourrais juste la laisser sur sa table de nuit. Non, j'ai fait une promesse. Que vas-tu lui dire? Je vais juste lui dire que je l'ai retrouvée. Enfin, que je l'ai trouvée, surtout. Oh là, bah j'ai trouvé en plein milieu de la forêt, hein. Et puis je vois tu as un truc bicharoïde, mais voilà. Bonjour. Bonjour ma chérie! Tu as dormi bien longtemps? J'étais épuisée après le voyage, moi aussi. Ouais, moi aussi. Maman? Oui? Je crois que c'est à toi. Ah? Qu'est-ce que c'est? Juste le ciel, c'est... C'est la bague de mamie? Où l'as-tu trouvée? Je l'ai juste trouvée. Par terre. C'est la bague de notre famille! Sa valeur est inestimable! Elle est dans notre famille depuis... Très longtemps, oui, je sais. Je croyais qu'elle était perdue à jamais. Je suis si heureuse qu'on l'ait retrouvée. Oh maman, merci. Comment as-tu bien pu tomber dessus? D'ailleurs, tu sais quoi? Tu n'as qu'à la prendre. Quoi? Elle finira par te revenir un jour, de toute façon. Si je la gardais, elle ne ferait que prendre la poussière dans un coin. Je n'oserais jamais la porter. Et tu sais que mamie l'a portée au doigt toute sa vie. Je suis sûre que c'est ce qu'elle voudrait aussi.
Oh oh, c'est pas maman qui l'a retrouvé. Oh. Non mais c'est pas maman qui l'a retrouvé, hein. Elle s'attribue le mérite, là. Ouais, ou alors elle fait semblant et puis elle sait ce qu'elle était, sa mère. Je suis sûre que c'est ce qu'elle voudrait aussi. Sérieux? Tu dois juste me promettre d'en prendre le plus grand soin. Juré craché. Je vais la mettre à mon doigt et je ne l'enlèverai jamais. Tu vois? Elle te va parfaitement. Tu es jolie comme tout. Oh la maman cruche. Alors, que veux-tu faire aujourd'hui? Tu veux venir cueillir des myrtilles avec moi? Je crois que je vais aller explorer un peu l'île. D'accord, ma chérie, à plus tard alors. Sois prudente. Bien sûr, à toute main. Objectif, suivez le sentier au nord de la cabane pour trouver le chemin de la mine d'argent. C'est pas ce qui me prend. Désolée. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Pour moi, la voix narrative, elle est comme ça. Voilà. Et donc ça, c'était mamie. Mamie qui est partie, ça y est. Alors, tu essaies toujours de prendre une décision? Oui. Mais je suis prête à en apprendre plus. C'est le bon esprit. Sans vouloir faire de jeu de mots. Le bruitage de l'objectif, c'est clairement du Zelda. De l'objectif. Ouf. Tu sais, moi j'entends des bruits. Je vais voir là si ça leur fait, mais j'ai l'impression d'être sur Discord, hein, personnellement. Alors, que faisons-nous maintenant? Il y a une montée d'énergie émanant du nord de l'île. Je l'ai remarqué la nuit dernière. C'est dans la direction d'où semblaient venir les rangs gigantesques. Tu sais ce qu'il y a là-bas? La mine! C'est là-bas que se trouve l'ancienne mine d'argent abandonnée. Mais personne n'y a mis les pieds depuis des années. Je ne sais même pas s'il y a encore un chemin pour y aller. Et il faut traverser une grotte très sombre pour y parvenir. On a peut-être une lampe de poche dans nos affaires. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux utiliser mon énergie pour t'éclairer. Cherchons donc le sentier. D'accord. Allons-y alors. Qu'attendons-nous? Ah, regarde. Là, j'ai l'impression d'être sur Discord. Il y a quelqu'un qui arrive dans un vocal. Voilà. Alors, la mine d'argent, c'est au nord. Eh ben, allons au nord. Bien ça, hein. Oui, au nord. C'est le marchand. Nidri. Salut les amis. Hey, je suis très content que vous ayez réussi à sortir sain et sauf de la forêt la nuit dernière. Ça faisait un bail que je n'avais pas vu de liaison dans le coin. Salut, c'est Midri, c'est ça? Oui, c'est ça. Midri le marchand à votre service. Quoique, en ce moment, j'ai pas grand-chose en stock. Eh ben super, hein. Et qu'est-ce que vous avez là? Ah, ça? Vous savez ce que c'est? C'est un noyau d'errant. Vous avez dû venir à bout d'un gros morceau hier soir, hein? C'est génial. Vous devez être très fort. Vous savez comment l'utiliser? L'utiliser? Le cercle a des bois RBG. Ouais. Brillant. D'ailleurs, j'ai vu deux cerfs en promenant Pearl tout à l'heure. J'ai pas compris pourquoi ils étaient ensemble, d'ailleurs. Oui, je vous raconte ma vie, vous en avez rien à foutre. Mais bon. J'avoue avoir retiré tous les bruitages Discord, donc j'en sais rien. Ben... Ça ressemble à ça. Ouais, deux cerfs et aucun n'est RBG. RGB, pardon. RBG. Oh là là, j'ai du mal ce soir.
J'en ai pas la moindre idée. Marco ? Ne me regarde pas comme ça. Comment le saurais-je ? Oh là là, vous ne savez vraiment pas du tout, n'est-ce pas ? Bon, puisque je suis un gars trop sympa, je vais vous donner un truc très spécial pour vous permettre de l'utiliser. Et je ne vous demanderai presque rien en échange. Normalement, ça coûte très cher, mais voilà, je vous le donne. C'est une clé ? Une clé ? Vous me faites bien rire. Ça, jeune fille, c'est un siphon spirituel. Vous le fixez sur le noyau des rangs. Et vous pouvez commencer à le remplir d'essence des rangs. Vous obtiendrez de l'essence des rangs en éliminant des saletés grouillantes. Les siphons spirituels aspirent l'énergie du noyau automatiquement. Une fois que le noyau des rangs est plein, vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre énergie max d'un point. C'est génial, non ? C'est vrai que ça a l'air très utile. Mais attendez, il y a mieux encore. Vous pouvez utiliser le siphon spirituel plusieurs fois si vous trouvez d'autres noyaux d'errant. Alors ne le jetez pas après avoir rempli le premier. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez remplir qu'un seul noyau d'errant à la fois. Bon, puisque je vous ai offert ça, voyons ce que vous pouvez faire en échange, ok ? Non, mais je croyais que vous nous le donniez. Rien n'est gratuit dans la vie, jeune fille. Et encore moins dans le monde des affaires. En tant que liaison, vous êtes très spéciale. Vous pouvez interagir avec deux dimensions, comme vous le savez. Cela signifie que vous pouvez ramener des objets du monde des humains au royaume des esprits et inversement. Il se trouve que les objets du monde des humains est très recherché dans le royaume des esprits. J'ai déjà quelques objets exotiques de l'île en tête. J'apprécierais beaucoup que vous me les rameniez. Je dois dire que je suis très familier avec le monde des humains. Après vous avoir observé pendant si longtemps. Mais je ne sais pas du tout à quoi ces objets en particulier servent, ni comment on les appelle. Et cela ajoute encore à leur attrait. Je suis sûre qu'ils seront très appréciés dans le royaume des esprits. Prenez cette liste de missions. Elle contient les descriptions des objets dont j'ai besoin. Vous avez l'air d'être une jeune fille intelligente, je suis sûre que vous les trouverez. Je suppose qu'on va partir à la chasse, alors... Si vous les ramenez tous, j'aurai un joli bonus pour vous. J'ai l'impression de me faire arnaquer quand même. Merde, j'ai oublié de faire la voix off. Vous pourrez désormais récupérer de l'essence d'errant en éliminant différents errants. L'essence d'errant sera collectée directement dans votre noyau d'errant activé. Une fois que le noyau est plein, il peut être activé pour augmenter votre énergie max d'un point. Activez le noyau d'errant dans le menu des objectifs. Le menu des objectifs contient aussi des informations utiles, y compris des indices, concernant les missions de Midri. Ouvrez le menu des objectifs en appuyant sur ce bouton. Alors, c'est quoi ça ? Alors, nous avons un noyau d'errant vide. La mission de Midri. Le premier devrait être facile. Il y en a un dans votre cabane, il sert à abriter. Hein ? Celui-là était à proximité d'un point de pêche. Il était fait de tubes étranges et de lentilles. Oh, d'accord. Des énigmes en plus. Cet objet était attaché à un arbre par une ficelle. Il avait des ailes aux couleurs vives. Ok, c'est un cerf-volant. Le dernier que je l'ai aperçu à un endroit sombre, ça tombe bien. Il avait l'air équipé d'une lumière. Je vous fais Hermione Granger ? Pourquoi ? Alors, j'ai pas compris. Des bébés esprits. Épée spirituelle, épée de bois améliorée par l'énergie d'Arco et la bague. Qui, je sais pas trop, va faire quoi. Et il y a 29 récompenses à faire. Ok, donc il y a 29 succès dans le jeu. Mmh.
Bon, il pleure, lui. Bon, qu'est-ce que t'arrive, mon petit? Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, vous pouvez me voir? Oh, vous devez être une liaison. Vous, je vous en prie, vous devez m'aider. Mes bébés chéris se sont enfuis la nuit dernière. Je suis si inquiète pour eux. Il y a des errants partout, c'est dangereux. Essayez de vous calmer. Nous allons retrouver les beaux bébés. Oh, merci, mademoiselle. Je suis Arietta, enchantée. Oh, mon nom est Almona. S'il vous plaît, si vous les croisez, dites-leur de me retrouver sous cet arbre immense. Arbre immense. Ouais. Attention, ne pas entrer sans une source de lumière adaptée. Arco. Coming. Ah ouais. Aïe, mais il fait mal, vilain. D'accord. Immense vue du bas. Bah ouais. Ça a pas l'air si immense que ça, hein, comparé au pommier, là. Aïe. Zoom mes cœurs, là. On peut pas faire la récolte de champignons? Ah oui, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Mais je peux pas faire... le réglage, là. Ça le fait de temps en temps. Rentre chez toi. Non mais... Je crois que c'est le chemin de la mine. Mais il est complètement bloqué par la végétation. Bah tu la coupes la végétation. Pourriez-vous aller jeter un coup d'œil? Le sentier continue après ce fourré. Cherchons s'il y a un moyen de passer. On s'en connaît ? Ah non, d'accord. Bon, bah on va contourner alors. Boutique de Minerva. Herbes et potions pour tous les besoins. Bah, elle est bien cachée sa boutique. Hein. Du coup, ce truc encore. Ça sert à rien de les taper. Minerva, oui, c'est Harry Potter. Plante versus zombie. Et j'espère que la musique est libre de droit d'ailleurs. Ça n'a pas été précisé, mais... Parce qu'elle est cool, mais... Bon, quand même quoi. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une cabane ici il y a très longtemps. Maintenant, il n'en reste qu'un tas de ruines. Je me demande qui pouvait bien vivre ici au milieu des bois. Je crois qu'on va bientôt le savoir.
De quoi ? Ne fais plus de bruit et concentre-toi un moment. Ça peut prendre un peu de temps. Je ne vois rien. C'est Minerva ! Une cabane tout entière emprisonnée dans le royaume des esprits. Merde, je me suis trompée de voix. Tant pis. Regardez toutes ces plantes et ces fleurs bizarres. Je n'ai jamais vu rien de tel. Je crois qu'il y a quelque chose, quelqu'un à l'intérieur. On va peut-être avoir un nouveau client. Ou plutôt que prévu. Sois prudente. Un objet aussi large coincé dans le royaume des esprits contient forcément beaucoup d'énergie. Et n'oublie pas que nous serons à l'intérieur. D'accord ? Je crois que je vais rester cachée au moins jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. Et bonjour ! Bonjour. Oh ! Mais quel vêtement étrange tu portes ! Et tes cheveux si sauvages ! J'espère que tu n'es pas de ces habitants de la mine. Non, madame. Pas besoin d'être si formelle. Mon nom est Minerva. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Arietta, ravie de vous rencontrer aussi. Arietta, quel joli nom. Alors, Arietta, d'où viens-tu? On ne croise pas souvent de nouveaux visages par ici. Je viens de la cabane vers la rive est. Ah bon? Sur cette île? Je ne savais pas qu'il y avait d'autres cabanes que sur cette île. Je croyais que ma cabane était la seule sur l'île. Avec cette saleté de mine d'argent qui me rend folle en ce moment. Les mineurs ne cessent de m'importuner. Comment ça? C'est une longue histoire. Certains des mineurs sont tombés malades sans que personne ne sache pourquoi. Et certains ont même succombé à cette étrange maladie. Quel est le rapport avec vous? Eh bien, il semble penser que je suis une sorcière. Et que je les ai empoisonnés, ou que je leur ai jeté un sort, ou quelque chose dans ce genre. Et je t'assure que ce n'est pas du tout le cas. Je ne connais rien en sorcellerie. Mais je suis une sorte d'alchimiste. J'ai vécu sur cette île minuscule toute ma vie. Cet endroit regorge de plantes et de fleurs de toutes sortes, comme tu dois le savoir. Je les cultive, je les cueille et je fabrique des potions et des remèdes que je vends au marché sur la côte. Cela explique la multitude de fleurs étranges aux alentours. Tu as ma collection ? On ne trouve généralement pas ces spécimens dans la nature. Mais on peut en faire beaucoup de choses. D'ailleurs, jette ces idiots dans la mine depuis des années en leur fournissant des remèdes à base de plantes. Et voilà comment il me remercie, en menaçant de m'expulser de l'île. De ma propre demeure. Pardon, je ne voulais pas m'emporter. Je t'en prie, ne t'approche pas de cet endroit. Je ne pense pas qu'il soit très bienveillant là-dedans. Arietta, si tu ne viens vraiment pas de la mine... Accepterais-tu de me donner un coup de main? Oh là. Bien sûr que je puisse faire. Je travaille sur une formule spéciale depuis un certain temps déjà. Je sens que je suis sur le point d'aboutir, mais je n'arrive pas à terminer toute seule. Pourrais-tu m'aider à récolter les derniers ingrédients qui me manquent? Ils sont un peu, disons, exceptionnels, vois-tu? Mais à cause de la situation avec les mineurs, je n'ose pas m'aventurer trop loin de ma cabane. Voici une liste des ingrédients dont j'ai besoin. 4 ailes de chauve-souris écarlate, 8 graines de lumiplante et 7 pédales de fleurs de sang. Et qu'allez-vous faire avec exactement de tout ça là? Un herbicide si puissant qu'il pourra désintégrer toute plante indésirable en quelques secondes. Et il est complètement naturel. Il pourrait beaucoup aider les fermiers qui vivent sur le continent. Tu penses pouvoir m'aider? Tu devrais pouvoir trouver tous les ingrédients en suivant le sentier qui part vers le nord depuis ici. Je suppose, après tout, ces plantes me sont familières. Elles sont toutes les deux exceptionnelles, car elles ne bougent que dans le noir. Ah,
je vois que nous partageons un intérêt commun pour la botanique. Je te récompenserai si tu parviens à me ramener tous les ingrédients. Eh ben ? Elle s'appelle Minerva, c'est une sorcière, on le sait. Et elle est même prof. Je peux grimper ou pas ? Oh oui, je peux grimper. Minerva ne sait pas qu'elle est morte, hein. C'est l'impression qu'elle donne, en effet. Elle est probablement restée coincée dans le passé peu de temps avant son décès. Comme dans une boucle sans fin. Mais... Oh, j'ai foiré la voix encore. Mais nous allons l'aider, n'est-ce pas? Eh bien, es-tu sûre que ce n'est pas une sorcière? Elle aurait très bien pu empoisonner les mineurs. Toutes ces potions qu'elle prépare ne jouent certainement pas en sa faveur. Sans parler de cette cabane louche perdue au milieu des bois. Elle dégage tout à fait un air de vieille cabane de sorcière. Et puis il y a des ingrédients qu'elle nous a demandés. Des ailes de chauve-souris? Vraiment? Mais non, si elle est vraiment capable de fabriquer cette herbie machin... Herbicide. Peu importe. C'est peut-être ce qui la retient ici, nous devrions l'aider à la terminer. Tu as peut-être raison. Ce n'est pas comme si nous étions déjà en chemin vers la mine de toute façon. Autant en profiter pour l'aider. Oh bah oui. Et donc, un cabane de la sorcière. Après tout, hein, allez. Aidons les morts. Aïe. D'accord. Ça me blesse. Donc... Et je peux pas couper. Faut que je fasse attention de pas me faire éjecter là-dessus. C'est quoi ce truc? C'est une fleur de sang. Quelle plante étrange. Ce n'est pas un des ingrédients de la recette? Si. Mais une ne suffira pas. On devrait en trouver d'autres dans le coin. Mamie m'a appris plein de choses sur la fleur de l'île. Elle est très diversifiée. Les fleurs de sang sont très toxiques, donc les animaux n'y touchent pas. Elles ne poussent que dans les zones où la forêt est très dense et où il y a moins de lumière. Les lumiplantes ne sont bien que dans l'obscurité la plus complète et ont besoin de beaucoup d'humidité pour survivre. Nous ferons donc bien de chercher une grotte. Oh, tu as l'air de t'y connaître. Reste sur tes gardes, il y a plein d'errants dans ce coin aussi. Ils aiment aussi les endroits avec peu de lumière. Ils se cachent souvent dans des trous sombres pendant la journée. Je suppose que la forêt est aussi parfaite pour les protéger de la lumière. Allons-y. Il est coriace celui-là. Dis donc. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu pour l'instant? Là, vous avez déjà eu un peu mon avis. Aïe! Donne envie de prendre la manette. Bah franchement,
Franchement, c'est franchement pas mal. Hein. Aïe! Et je crois qu'il est pas très cher. En plus, il est en promo, je crois, sur Steam. J'ai vu tout à l'heure. Donc, si vous voulez le lien Steam, n'hésitez pas à mettre point d'exclamation Arietta. Vous allez l'avoir directement dans... directement le lien dans le chat. Je fouille. Hein. Ah, je peux pas là-bas. 15€. D'ailleurs, on dirait un spam Discord. Pourquoi ? Après là c'est en mode normal et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ah voici la lumiplante. Elle est facile à trouver puisqu'elle émet une lueur. Cette lueur est causée par une réaction chimique dans les graines de... Ce n'est pas le moment pour la leçon de biologie. Ces grottes sont sûrement dangereuses. Nous devrions avancer. Ah il y en a une là-bas mais je passe tout le tour. Oh, c'est pas vrai. Oh, là, lui. Moi, j'ai une lumiplante derrière moi sur la commode aussi. Elle est juste là. À côté des bois. Elle est là-bas. Pas plante, juste Lumi. J'ai un Twitch Award. Unique en son genre. Même les plus gros streamers, ils l'ont pas. Et ouais. Je pensais à la bande LED. Et bah tu vois. Moi je t'ai trouvé une vraie Lumi plante. Deux, trois, quatre, bah c'est bon. Qu'est-ce qui me manque encore là? Ah, il me faut, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'aurais un truc à vous montrer après. Un truc d'unique en son genre aussi. Quoi ? Je me fais bombarder. Je veux des cœurs. Bonne nuit Zarok. Merci d'être passé. Oui, oui, oui. Je vais essayer de pas mourir là. Ce serait con quand même. Puis bah du coup j'espère que ça t'a plu. Mais sans déconner là, qu'est-ce que je fais? Soft kitty, warm kitty, little muffer. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr.
Attends, elle arrive à me bombarder de là-bas. C'est pas juste. C'est pas très fair play ça. Je sais même plus où je suis allée là. Ça y est, je me suis perdue. Non, je passe pas. Un bébé là dans le coin là, il se cache. Voilà. Et. Bon, ça c'est très bien, ok. La charge souris là, viens par là. Non mais il y a encore un bébé là, j'ai entendu par la droite. Oh, il est par là. Oh, ça mérite une bombe ça. C'est bon. Eh, rentre chez toi. Non mais. C'est bon là. Non, c'est pas ça. Attends. Ah, il y en a 20. Oh merde. Mais comment on a fait pour avoir autant d'enfants hein? Elle est folle. Peut-être un peu trop surréagi, mais bon. Rendez compte, 20 gamins, c'est énorme. Oui, non, je suis déjà allée là. Hein. Bonne soirée, Yudashi. Merci d'être passé. À bientôt. Allez, il me reste plus qu'une chauve-souris. Enfin, une charge souris. Aïe! Oh, je vous jure, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se connecte sur Discord à chaque fois. Mais
je peux pas passer. Hop là. Aïe. Rempli. Tadam. Réaction appropriée. Pourquoi? Au départ, je me disais non, ça va. C'est pas Didi. En fait, dès que je regarde pas l'écran, ça fait réagir. C'est bon, j'ai fini. Là, je vais pouvoir retourner voir la sorcière. Il n'est pas une sorcière. Mais qu'il y a même une sorcière. Aïe! Minerva, d'où que t'es? Et y a pas une map? Ah oui, bah oui. On est d'accord, hein, c'est beaucoup, hein, vagabond. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va retourner vers l'ouest, hein, on verra bien. Oui. Et donc? Ah! Aïe 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 aïe. Bah ouais ouais non mais là Non mais c'est bien un peu compliqué là. Ça sert à quoi mon noyau là? Hein? Comment je l'utilise? Stop! Le noyau est prêt à être activé. Bon, je retente, mais à mon avis, je vais devoir. On va activer, hein. Je sais pas comment on va faire, mais on va activer. Maintenez A pour activer. Ah d'accord. Thank you.
j'ai fait une connerie. Non mais par contre j'aimerais bien... Bah oui mais... Ok. C'est galère hein. Et je suis en mode normal hein. Saloperie. Non mais reste pas coincé là. Non c'est pas ça. Bon bah d'accord, je me trompe de touche en plus. Oh là 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 là, mais je suis nulle. Non mais c'est une blague là, tous ces bombardements. Allez, on peut le faire. Non, pas maintenant, pas maintenant, malin. Oui. Oui. Vous avez obtenu un noyau d'airant. Bah, tout est au vert chez moi. Alors, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça a sauvegardé là quand même. Oui. Non mais sans déconner, je sais pas marcher. Oh. Allez, va voir la sorcière, donne-lui son truc. Aïe. Je suis perdue. C'est pas par là. Oh zut, sorcière, t'es où ? Minerva ! Bah mince. Allez, je vais rendre ma quête. Non, je peux pas. Bon, bah on va repasser par la grotte, hein. Putain, elle est où la grotte? Je suis perdue. Ça manque d'une carte. Je passe par la grotte et puis en fait je vais en bas moi. Tout va bien. Je suis pas du tout contradictoire dans mes propos. Allez là. Ah mais aïe aïe aïe. C'est bon, on a retrouvé Minerva.
Cadeau. J'ai les ingrédients. C'est vrai? Tous? Là, il manque une map. Hein. Merci. Maintenant, Henrietta, fais un pas en arrière. Il va peut-être y avoir une réaction. J'ai réussi! Enfin! Mais pourquoi fais-tu cette tête? Minerva, vous vous sentez bien? Tu es une jeune fille bien particulière, tu sais. Mais tu as bien mérité une récompense. Et voilà, un flacon rempli à ras-bord d'herbicide fraîchement préparé. Sois très prudente, une quantité infime est suffisante. Tu voudras bien m'en informer lorsque tu l'auras utilisé? Je crains d'être bloquée ici pour le moment. Au moins en tant que la situation avec les mineurs n'est pas résolue. Bien sûr, je vous promets. Merci. Vous avez reçu un flacon d'herbicide? Il est très puissant. Peut-être pourrez-vous l'utiliser quelque part. Bon. On dirait que l'herbicide n'est pas la raison qui la retient ici. Au moins, nous en avons tiré quelque chose. Poursuivons vers la mine d'argent. Après tout, c'est aussi notre seul indice pour aider Minerva. Tu n'as pas entendu quand elle a parlé de la maladie qui a fait toutes ses victimes? Cela ne t'inquiète même pas un tout petit peu? Quoi que ça ait pu être, c'est fini depuis longtemps. Quand mamie était petite, des jeunes du continent venaient toujours se faufiler à l'intérieur de la mine. On disait qu'elle était hantée. J'ai toujours voulu aller voir à l'intérieur, mais mes parents n'ont jamais voulu. Ils n'avaient peut-être pas tort. Fais juste attention à ne pas prendre trop de risques. Tu vas devoir apprendre que tu ne peux pas aider tout le monde. Et c'est ici que nous allons arrêter. Pour ce soir, revenir à l'écran d'accueil. À l'écran d'accueil. Je ne sais pas combien de temps on y a joué. Hop, par là, hop, ici, voilà. Ça fait... En gros, on y a joué 2 heures. Voilà, parfait. On est bien timé. Franchement, c'était sympa comme jeu. Bon, je pense pas que ça se... Enfin, on est en version bêta. C'est un petit jeu. Je sais pas si ce jeu... Si c'est vraiment une partie condensée du jeu que j'ai ou tout le jeu, mais... c'est chouette à faire. C'est relaxant, c'est marrant. Même les boss sont pas ultra compliqués. Hein. Même celui-là, même si le dernier était un peu plus corsé, ça va, quoi. C'est jouable. Putain, j'ai réussi, quoi, les gars. On en parle de Zelda où j'ai galéré pendant des heures et des heures. Non, franchement, il est bien comme jeu. De ce que je peux voir, là, j'accroche bien. Du coup, je vais le poursuivre en live, ça c'est sûr. Donc pas lundi prochain, peut-être mardi prochain. Bah non, pas mardi prochain, je serai pas là. On verra. peut-être pas lundi prochain, mais peut-être l'autre lundi. On va faire un lundi sur deux. Ça va être chaud. Hein. Oh lolo. Comme ça, lundi prochain, je vais tester Insomnis sur la Play. Comme ça va un peu faire bouger la Play parce qu'elle n'a pas joué depuis un petit moment, là. Et vous avez absolument pas le son, là. Ah, c'est triste. Moi, j'ai laissé la musique et tout, mais... Ouais, non, vous avez pas le son du tout. Tant pis, je vais quitter mon son, là. Paf. C'est pas grave, on va laisser sans son dans tous les cas. Pour ceux que ça intéresse, je pense faire The Room 2, la suite, là. Il n'est pas encore trop tard, donc je vais le lancer sur le Discord, je vais pas le faire là en live. Donc si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas à venir sur le Discord.
Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en live ou pas sur quelque chose de posé potentiellement? Pas très posé ce que je vois. Bon, on va aller faire un petit coucou à Argol, il est sur Noob. Peut-être que vous aurez la suite que je n'ai pas. Ouais, parfait pour Argol. Donc c'est slash red. Argol. C'est que Argol 83, il me semble. Paf. Et ouais, donc du coup, on... Et oui, bah lui, il est même bien avancé, puisqu'il est dans les 4 secondaires, il avait déjà fini le mode histoire. Donc, ouais, on va aller lui faire un petit coucou, et puis bah, ceux qui veulent me rejoindre sur The Room, n'hésitez pas. Donc Argol, qui est un des noobs, justement, un des personnages de noob. Voilà. Donc du coup, moi, je vous dis semaine prochaine pour le live. Et à tout de suite pour ceux qui veulent faire l'escape room sur Didi. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on se dit à très vite. C'était Jexif. Merci d'être venu. Ciao, ciao. Yeah. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you